Yeah, salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. On est à la Vallée-Bras-du-Nord aujourd'hui, secteur Saint-Raymond. On est donc sur le magnifique Mont-Suisse, juste ici. Et j'en viens vous montrer la toute nouvelle version de la Grande Aiguenne. Grande Aiguenne a été refaite quasiment de A à Z par l'équipe d'entretien de la Vallée. En fait, un super bon travail. Donc, ils ont changé un petit peu le caractère de la piste. Ils ont rajouté plusieurs petits virages serrés, plusieurs possibilités de saut. C'est super le fun. Je vais aller vous la montrer et elle va être prête pour le printemps 2022. Alors, sans plus tarder, voici la toute nouvelle Grande Aiguenne. Alors, déjà en commençant, la piste a beaucoup changé. Plusieurs bosses, plusieurs petits virages. Là, on va swatcher, est encore molle un petit peu. C'est sûr, c'est une piste qui va prendre tout son potentiel au printemps prochain, lorsqu'elle va avoir été tapée par notre hiver québécois. Donc, je la ferai pas trop rapidement. Une petite pelle de place qui surprenne un petit peu. Genre ça ici qui est un petit peu mou. Mais sinon, la piste a beaucoup changé versus qu'est-ce que vous connaissez. On a des beaux petits chocs fins ici. Bon petit saut super le fun. Ça ici. Fait que c'est ça, c'est la gang de la Vallée qui ont mis beaucoup de travail dans les pistes cette année. Surtout à Saint-Raymond dans les derniers mois et demi. Ils sont en train de faire tout le restant de la Tommy. Des super beaux sauts dans la Tommy. On fait plein de petites sections pour nous aider à se déplacer dans le réseau. Ça ici. Ça. Il y a ce petit virage-là qui surprend, je vous avertis. Je me suis peut-être fait avoir tantôt. Yes! Donc très différente de ce qu'on connaît. Super le fun! Yes! Le 2 justement. Je pense qu'ils vont retravailler pardon, le petit virage à l'instant. Fait qu'ils ont fait beaucoup de travail d'impiste. Ils ont refait la Servin. D'habitude, on fait Servin tout table ronde. Ils ont tout refait la Servin dans le Mont-Suisse. Fait que c'est ça, c'était la nouvelle Grande Aiguenne.